Alexandro, premier match, premier goal, ce sont des débuts de rêve pour vous. Ouais, de rêve, on va dire que c'est toujours bien de marquer un but, ça fait plaisir. Mais le principal, c'est de bien se remettre en route et préparer le championnat, etc. Votre analyse de cette première rencontre ? Je pense que dans l'ensemble, ça a été. On a bien repris. Je trouve que la prestation, c'est bonne. Mais voilà, on voulait juste retrouver le rythme, être content de pouvoir rejouer après autant de temps, donc ça fait plaisir. Sur le plan individuel, vous êtes déjà à 100%? À 100%, on va dire non, puisqu'on vient de reprendre maintenant depuis seulement une semaine. On va dire qu'on va essayer de monter en puissance au fur et à mesure des semaines pour être prêt pour le championnat. Justement, comment avez-vous géré cette intersaison qui était plus longue que prévu à cause du coronavirus? On a maintenu ici avec deux entraînements par semaine malgré tout, donc on a bien géré cela. Et voilà, je pense que tout le monde s'est bien maintenu pendant la trêve. Et on est revenu, on est en forme. Les tests ont prouvé qu'on était globalement bien. Maintenant, on va travailler pour. Avec un stage, notamment au programme. Oui, on part le 31 avec un match au Luxembourg. Ensuite, une semaine de stage pour bien préparer tout ça. Et voilà. Avec la Coupe de Belgique comme premier objectif. Oui. C'est sûr, premier objectif. On va faire le maximum pour arriver prêt pour le premier match de Coupe déjà. Et voilà, on essaiera d'aller plus loin comme partout, quoi. Jouer contre une équipe de DA, l'objectif suprême? Ouais, c'est sûr, ça fait toujours plaisir de jouer une équipe de DA. C'est tous les jours de foot, je joue au foot pour ça, pour jouer contre les équipes qui sont au plus haut niveau. Et voilà. Après, il y aura le championnat. Personnellement, vous espérez monter en division A-B? Je pense que quand on voit tout ce que le président a fait durant cette saison, pendant le Covid et tout ça, les ambitions sont claires. Et on en est tous conscients, donc on va travailler pour atteindre les objectifs du club. Et pour vous, viser, c'est un tremplin? C'est un tremplin, oui, c'est le but. De faire une saison pleine, pouvoir enchaîner les matchs, c'est mon objectif ici. Et puis voilà, donc oui, si on peut utiliser viser comme un tremplin, ce serait une bonne chose. Vous avez en tout cas déjà pas mal d'expérience, notamment grâce à votre passage en Italie. Oui, c'est bien passé, on va dire. Là-bas, mon aventure en Italie a été bien. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, parce que c'est vraiment le top du football mondial. Et voilà. Pourquoi pas y revenir un jour avec un poste de titulaire? Ça reste un rêve, mais voilà, il faut rester réaliste. Je suis ici, je vais travailler ici à viser, réussir au mieux ma saison, et puis pour la suite, on verra bien. Merci Alexandro, et bonne saison. Merci.